Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on va passer d'une galerie limited à une galerie rare. Ce que je vous conseille depuis un petit moment. Et là, on va le faire en réel avec la galerie d'un des followers qui veut justement potentiellement pouvoir changer son équipe de limited à rare et savoir combien ça va lui coûter, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il devra faire comme achat, qu faire quoi il devra se tourner. Donc, on va directement voir euh, bah du coup, c'est la galerie de premium. Donc, voilà, le petit premium qui a une galerie aux alentours des 1153 euros, 1150 euros. On va évidemment mettre directement le roster price pour voir les joueurs qui valent le plus cher. Donc, Vinicius 90 euros, Muziala 138, 135 pour Wirtz. Et après, on descend, on descend, on descend. Je pense qu'on va s'arrêter vers Oupa ou, parce qu'après, bah, ça pourra lui permettre d'avoir une équipe en limited et une équipe pour faire les paliers, la palier cap 240. Mais là, on va vraiment se concentrer sur ces Limited qui devra vendre. Donc, moi, je pense qu'il devrait vendre tout ça jusqu'à d'ailleurs ou pas mécano et même peut-être Goretzka, hein, bien sûr. L'avantage du Limited, c'est que ça va se vendre assez vite parce que le marché est assez liquide. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui joue en Limited. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué pour vendre et pour se faire une petite cagnotte pour pouvoir acheter sa première rare. Donc, là, on va partir du postulat où il a pas mal de joueurs quand même. Tac, on va aller là. Donc il a tous ces joueurs-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs. Donc pour 11 joueurs, euh, on va voir combien à peu près ça peut faire en euros. Tac, tac. J'ai évidemment déjà préparé le truc. Donc voilà, on est à 833 euros pour la totalité de, de ces petits joueurs. Et la difficulté de la rare, ça va être évidemment, ce ne sera pas des Vinicius, des Musiala, des Virts hein, Ce sera des joueurs... Moi j'ai opté pour une Ligue 2 parce que je trouve que vraiment c'est le plus rentable et on en a déjà pas mal parlé. Je fais pas mal de bonnes, de bonnes perces avec, avec ma Ligue 2. Donc je m'estime assez légitime pour conseiller sur la Ligue 2 faire les bons petits achats au bon petit moment. Donc là voilà, on est quand même sur 11 joueurs à du coup à 83. Donc ça nous fait à peu près 75 balles par joueur. Donc évidemment, la difficulté du rare, ça va être d'acheter le gardien, les gars. Parce que sinon, après, on va trouver des joueurs dans ces prix-là. On va trouver des joueurs dans ces prix-là. Mais la vraie difficulté, ça va être de trouver le gardien. Et justement, pour le gardien, il y a deux options. Il y a soit Filipovic de, de Paris, euh, de, de, du, du Paris FC, soit directement le petit Leroy, euh, qui va être évidemment un peu moins cher. Hein. Le petit Benjamin Leroy, qui va être évidemment moins cher que ça, à 190 euros là mais avec un L15 de donc ça peut être pas mal là pour l'instant j'ai opté pour un petit Filipovic un petit Filipovic c'est intéressant avec évidemment 314 euros en moyenne on va prendre sur Filipovic. Hop, la dernière vente qui s'est faite. Euh, on va prendre là parce que là, du coup, c'est la vente 1 sur 1. Mais cette vente-là, à 314. Donc, je pense que c'est plutôt logique. Le petit Croate qui devrait être titulaire avec Paris. Euh, le seul problème, c'est que Paris, là, ils sont relégables. Donc, euh, c'est un peu risqué. Mais je trouve qu'ils ont une équipe assez compétitive pour pouvoir euh, bah, ne plus être relégable. Et on voit que malgré la relégation, il a quand même un L5 de 53. Donc, c'est un gardien qui fait quand même... D'assez bonnes performances. Ensuite, on peut, on va aller au niveau des défenseurs. Je crois que j'en ai, ai pris deux ou trois, je ne sais plus. Je crois deux. Hein. Je crois deux petits défenseurs, Paquier et Valérie. Donc on se concentre. Du coup, si on part sur un goal de Ligue 2, il faut qu'on ait au minimum quelques joueurs de Ligue 2 pour que s'il y a une journée de Ligue 2, qu on puisse, euh, qu on, que l'on puisse mettre une équipe. Et après, quelques autres petits joueurs pour ajuster, savoir s'ils ont un meilleur match-up ou pas un meilleur match-up, mais ça permettrait justement de pouvoir gagner quelques petites cartes. Et là donc le petit, le petit paquet qui a 40 euros, donc ça c'est plutôt cool. Hein. C'est un joueur qui est titulaire avec Grenoble, là il a été remplacé en midweek. mais normalement il devrait, prendre, il devrait reprendre sa place de titulaire ce week-end, c'est pas mal. Et le petit Valérie que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, le petit Yann Valérie, qui effectivement... bah lui avec le squad d'Angers c'est plutôt pas mal. Avec la Tunisie c'est plutôt pas mal. Donc je le conseille vraiment fortement au petit premium. Et euh, ensuite on va passer sur les milieux de terrain. Et là les milieux de terrain j'ai opté pour une stratégie plus dif différente. Donc il y a le petit Sema à 35 euros. Le petit Mangani à 14. Un vieux mais qui joue. Et le petit Benet, Jesse Benet qui est évidemment la valeur sûre euh, pour 142 euros. Ce sera notre joueur le plus cher évidemment, Mais euh, si vous voyez ces scores les gars Vous comprenez pourquoi il est cher Parce que bah, son all il est de 17 les gars Son all il est de 17 Et quand il fait des décisives scores bah, Ça monte à 87 Ça monte à Ouais il fait ça Sa moyenne c'est 58 les gars Sur une année sa moyenne c'est 58.9 Donc c'est C'est franchement assez exceptionnel Et le petit décibéné Bah voilà on le met capitaine Et maintenant ça fait Ça fait quand même la d'avoir un, un petit capitaine comme ça Après, après le petit Thomas Mangani qui est devenu une pièce maîtresse de Bastia. Bon, il a 36 ans, donc il est vieux. Donc, euh, il a 14 euros. Et c'est euh, Sema, qui est actuellement blessé en Championship, il a beaucoup plus de matchs. Et ça, ça sera évidemment pour mettre s'il a un meilleur match-up ou pas un meilleur match-up. Mais c'est déjà assez intéressant. Et là, au niveau des. A... J'ai pris trois attaquants. Donc, le petit Lotté, qui est vraiment, vraiment pas mal. On va aller voir. On va aller de suite voir sa carte, le petit Lotté. Le petit Antoine Lotté à 58. 100% titu hein et les gars un cos de 46 donc ça c'est plutôt cool hein. et là il redescend à 43 donc tout le temps titu forward donc pour un forward à 58 franchement je trouve que c'est vraiment 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 pas cher et assez smart de prendre de prendre ce petit joueur le petit loté c'est pas mal. Après le petit gars est Tempérin, évidemment, euh, je vous le conseille. Je l'ai. C'est Masterclass sur Masterclass. Même si là, il va énormément monter, je pense, sur ses, sur ses dernières notes. Ça va être compliqué après de pouvoir l'aligner dans une cap de 140. Voilà, bah, quand en fait, quand il fait Decisive Score, bah, il fait 75 au minimum. quoi Mais euh, mais là, on bénéficie encore de la fin de saison de l'année dernière où il était remplaçant. Et le petit gars est Tempérin, c'est Masterclass. Et après, El Idrissi, qui a signé en Belgique. Euh, que je suivais qui annonçait 100% de tu contre le club de Bruges 32 de coups ça c'est vraiment intéressant pour justement euh, équilibrer ses équipes et ensuite on peut voir que tout ça ça nous donne 827 euros donc là on a beaucoup moins de joueurs évidemment hein. on a 9 joueurs bon remarque on a moins de joueurs là il y en a 11 et on en a 9 donc c'est pas c'est vrai c'est pas si différent mais par contre quand on va aller voir on va analyser on aurait dû faire ça peut-être au départ hein. Mais quand on a analysé les stats de premium, bah voilà les gars, ça gagne pas beaucoup de rewards au total. Ça a gagné 127 euros en rewards, alors que là en 3 game week en fait on est limite à plus de à plus de, gagné quoi. On a plus d'éther gagné, ça fait 20 rewards, euh, ça fait des ça fait des podiums hein. euh, ça fait des podiums, c'est pas des podiums justement c'est toujours assez bien placé surtout sur le dernier game week quoi. 409 408 407 403 403 403 401 401 99 ça ça ramène des ça ramène des rewards mais malheureusement ça paye pas les gars ça paye pas et là pour une équipe à 800 balles euh, franchement je pense qu'on peut bien se démerder en cap 240 et choper les 50 balles assez fréquemment donc euh, évidemment pour premium alias Fan lewis bah je lui conseillerais vraiment de passer en rare les gars je lui conseille vraiment de passer en rare et je vous ai montré quelle équipe, quel type d'équipe je ferais. Bah là, on peut, on peut directement se mettre. Hein. Donc on va prendre le roi. Parce que le roi, ça va être intéressant pour son L15. Ça va nous permettre de mettre des meilleurs joueurs. Et lui, évidemment, hein, il, vaut, il vaut vraiment pas cher. Hein. Il vaut vraiment pas cher. Je pense qu'on va prendre euh, le petit Valérie avec 47. Donc là, voilà, on commence à avoir une équipe assez sympa. Hein. Est-ce qu'on prend le petit Thomas Mangani Est-ce qu'on prend Moi je prendrai le petit Jesse Bene, évidemment, hein, parce que je l'ai, je le trouve super, super fort. Euh, le petit Jesse Bene. Euh, J'adore ce mec. J'adore vraiment ce mec. Avec perrin devant. Perrin devant. Et je pense qu'on va prendre le petit Idrissi. Euh, le petit Idrissi pour euh, compléter avec un score un peu moins. Un peu moins. Hop. On va mettre là en forward. Donc là, évidemment, il est... Il est encore un coup pas, pas super élevé donc on pourrait mettre un petit, un autre petit mais Idrissi je pense que c'est plutôt pas mal le petit Idrissi en plus il vaut vraiment pas cher les gars il vaut vraiment pas cher donc rien que cette petite équipe là elle peut vraiment vraiment être super cool à faire et beaucoup plus rentable que ce qu'il a déjà vous voyez on a 16 encore de marge donc on pourrait quand même presque mettre limite uh, Filipovic au Gold. mais cette petite équipe, franchement, elle peut faire du sale. Elle n'est pas très vieille, même le gardien, hein, 33 ans, 23 ans, 28, 26, 23. Donc, euh, c'est vraiment pas très jeune. Et donc, je vous ai montré avec une galerie à peu près à 1000 euros comment switcher en rare. Et je pense que c'est vraiment une superbe idée. C'était tout pour moi, c'était du Prono. Ciao